Frères et sœurs, quelques versets bibliques pour notre première méditation de l'année. Tout d'abord dans le livre du Lévitique. Le livre du Lévitique, au chapitre 23, les versets 23 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites et dis-leur « Le septième mois, le premier du mois, vous aurez un jour férié. Rappelé par une clameur sonnée par le chauffard, c'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Et puis presque à l'autre bout de la Bible, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, je vous lis les versets 15 à 18. C'est l'apôtre Paul qui parle. « Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Exhortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Pour vous indiquer un peu dans quel état d'esprit, j'ai choisi ces deux textes qui peuvent vous sembler assez hermétiques. Je vous invite à ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique numéro 360. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 360. Thank you.
Éternel notre Dieu, toi qui, par ton esprit, assemble les croyances en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Chers frères et sœurs, il me semble qu'il n'est pas faux de dire que notre protestantisme est assez frileux à l'égard de la religion populaire. Notre protestantisme est assez prompt à dénigrer toute forme de paganisme qui, d'une manière ou d'une autre, pourrait se mêler aux affaires de foi et de spiritualité. Et je crois que cela est notamment remarquable pour ce qui concerne les festivités. Et en fait, ça ne date pas de notre époque. Dès les débuts de la Réforme, en France en tout cas, les pasteurs commencent par vouloir se démarquer des habitudes catholiques en éliminant du calendrier liturgique toutes sortes de fêtes, de commémorations, de célébrations qu'ils considèrent un peu comme des superstitions ou... Passez-moi l'expression, des trucs de bonne femme. Je savais que vous ne me passeriez pas l'expression. Si on prend le cas de Noël, par exemple, il cesse de fêter Noël le 25 décembre pour le reporter au dimanche précédent. Et même, ils font mieux que cela. C'est le cas, par exemple, du pasteur Jean Daillet, pasteur à Charenton, en 1651, histoire de résister un peu à l'obligation d'avoir un jour chômé, le jour de Noël, mais d'être quand même obligé de prêcher, il prêche à Noël sur Pâques. Ça, c'est bien du protestantisme comme on l'aime. Cette frilosité à l'égard de l'excès de religiosité qui peut confiner à une forme de superstition, effectivement, peut expliquer en partie, je pense, pourquoi nous n'avons pas de rituel spécifique pour le passage d'une année à l'autre. Pas de rituel, pas de célébration particulière au sujet du nouvel an. Alors certes, il n'y a pas de célébration du nouvel an en tant que tel mentionnée dans la Bible, mais bien plus que cela, c'est notre bon sens, en fait, qui nous encourage à ne pas prêter une attention particulière
à ce jour qui, après tout, revient tous les 365,25 jours. Parce que nous avons bien conscience qu'il ne suffit pas de changer l'unité de l'année pour que la vie change fondamentalement. Ce n'est pas parce que nous avons changé d'année, et même de décennie cette fois-ci, que le 1er janvier 2011 a été fondamentalement différent du 31 décembre 2010. Il y a bien plus de continuité, à vrai dire, que de rupture. Il ne suffit pas soudainement de changer d'année sur le calendrier pour arrêter de fumer, pour arrêter de dire du mal des uns et des autres, arriver à l'heure à ses rendez-vous, cesser de proférer toutes sortes de jurons, griller le feu rouge. Non, les bonnes résolutions ne sont pas automatiquement en vigueur dès que nous changeons d'année. Si nous évitons de marquer toutes sortes de fêtes et toutes sortes d'étapes de la vie quotidienne, c'est souvent parce que cela ne se rapporte pas explicitement à la vie du Christ ou à des faits significatifs de l'histoire de l'Église, comme l'est par exemple la Réformation, que nous commémorons le dernier dimanche d'octobre. Et si nous faisons cela, si nous avons tous ces évitements, c'est en règle générale pour éviter les superstitions qui accorderaient un statut privilégié, une sorte de pouvoir particulier à tel ou tel jour. Peut-être même une sorte d'efficacité particulière à telle ou telle fête. Mais effectivement, vous pouvez faire l'expérience l'année prochaine, si vous passez le nouvel an sous silence, si vous ne souhaitez pas une bonne année à qui que ce soit, si vous ne faites pas de réveillon, en fait, vous changerez quand même d'année. Même si vous ne fêtez pas le nouvel an, vous changerez quand même d'année. Et donc, c'est une manière de dire que notre univers ne va pas soudainement se désintégrer si nous n'entrons pas dans la grande danse des commémorations et si nous ne marquons pas de manière factuelle l'entrée dans une nouvelle année qui n'a de neuf, évidemment, que le nom. Et comme la nouvelle année est aussi l'occasion des vœux, parlons-en justement. Nous savons fort bien que si nous n'échangeons pas de vœux à l'occasion de cette nouvelle année, l'année aura quand même lieu. De même que nous savons parfaitement qu'il ne suffit pas de souhaiter une bonne année à quelqu'un pour que l'année soit bonne effectivement. Et je ne vous parle même pas des histoires de bonne santé. Toutefois, il arrive qu'à force de rejeter toute forme de religiosité pour fuir les superstitions, eh bien, nous en arrivions à une attitude elle-même superstitieuse, accordant un pouvoir spécifique à des occasions que nous refusons de célébrer. Et finalement, être tellement accroché à vouloir refuser à tout prix telle ou telle célébration, telle ou telle commémoration, c'est une forme de superstition aussi. C'est le cas, par exemple, des témoins de Jéhovah, qui ne fêtent pas les anniversaires, parce que c'est à l'occasion de l'anniversaire d'Hérode que la tête de Jean-Baptiste a été coupée puis offerte sur un plateau. Et donc, c'est une façon de dire, souhaiter les anniversaires, ça porte malheur. Mais du coup, ne pas fêter les anniversaires, c'est une forme de superstition. C'est considérer que le fêter, ça porterait malheur. Il paraît qu'il ne faut pas être superstitieux parce que ça porte malheur. Et donc, vous voyez, ce parti pris, ça revient à conférer un pouvoir particulier au jour anniversaire, à en faire un jour capable de reproduire un malheur qui est autrefois arrivé. Ce n'est rien d'autre que de la fatalité. On fuit une superstition pour se jeter en fait dans les bras d'une autre superstition, qui ne vaut pas forcément mieux. Rejeter en bloc la religion populaire en la taxant de paganisme, ce peut être finalement s'exposer au risque qu'évoquait le prophète Amos en son temps. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Certes, le nouvel an n'est pas prescrit par le Christ, mais l'actualité,
Rien que l'actualité nous rappelle que des Coptes, qui ne sont pas les moins chrétiens de la planète, se sont retrouvés à Alexandrie en se réveillant du Nouvel An pour y célébrer une messe. Le judaïsme, s'il n'a pas opté pour le même calendrier que les églises chrétiennes, n'en a pas moins développé une festivité du Nouvel An, Rosh Hashanah, en hébreu tête de l'année, Rosh Hashanah, qui est célébré le premier jour du septième mois, fameux mois de Tishri. Et donc, cette seule indication suffit à vous faire comprendre pourquoi je vous ai lu ce passage du Lévitique, puisque c'est ce passage qui fonde la fête de Rosh Hashanah. C'est une fête qui est également évoquée un peu plus loin dans le livre des Nombres. Formellement, Rosh Hashanah repose sur quatre éléments. C'était traduit par un jour férié, mais en fait c'est le Shabbat, évidemment. Il est question aussi d'un mémorial, d'une acclamation liturgique qui est provoquée par le son du shofar, cette trompe en corne de bélier, et puis une convocation sainte. Shabbat, mémorial, acclamation, convocation sainte. Les deux premiers points, le Shabbat et le mémorial, l'acte de mémoire, renvoient à la création d'Adam et Ève, qui fut suivi d'un Shabbat dont il faut faire mémoire. Les deux autres points renvoient à la ligature d'Isaac par Abraham dans le livre de la Genèse. L'acclamation résultant du son d'une trompette ou d'une trompe faite d'une corne de bélier évoque bien sûr l'animal qui fut sacrifié à la place d'Isaac, et la convocation, l'appel, c'est le même mot en hébreu, évoque l'appel par le messager de Dieu à Abraham de ne rien faire à l'enfant ligoté. Donc vous voyez, en quelques versets, nous avons l'évocation de deux passages extrêmement importants de la Bible, la création de l'humanité et cette ligature d'Isaac. Alors, voilà les deux épisodes qui sont convoqués pour célébrer le Nouvel An dans la tradition juive. On peut concevoir assez facilement de faire référence à la création d'Adam et Ève, qui exprime que l'année s'ouvre et que c'est l'occasion que Dieu donne de créer encore à nouveau l'humanité voulue par lui. En revanche, évidemment, la référence au sacrifice interrompu est un peu moins évidente et elle semble un peu gâcher la fête. On préfère la dynamique positive de la création plutôt que cette histoire qui nous met toujours un peu mal à l'aise. Eh bien, cette référence à cet épisode biblique renvoie à la préservation de la vie, à vrai dire. La préservation de la vie que l'on crée d'un côté, dans ce récit de la création, mais que l'on est si souvent capable de détruire d'un autre côté, comme c'est le cas avec ce périple d'Abraham et d'Isaac. Et au fond, ce double enracinement biblique exprime à la fois le dynamisme créateur de Dieu auquel nous sommes appelés, mais aussi la vigilance que nous ne sacrifions pas autre chose que l'animalité que nous avons en nous. Et cela pour l'année à venir. Autrement dit, cela fait écho à cet élan qui nous est si naturel lors d'un passage d'une année à l'autre, que cette année soit civile, scolaire, ou qu'il s'agisse d'une date anniversaire, le bilan. Nous sommes, avec Rosh Hashanah, en plein bilan. Et le Nouvel An est souvent l'occasion du bilan. Un bilan où nous observons ce qui a été accompli jusque-là, nous évaluons, nous hiérarchisons, de manière à trier ce que l'on garde pour la suite et ce qu'on abandonne, ce qui nous encombre. La double référence à la création de l'humanité et à la ligature d'Isaac nous propose quelques critères pour effectuer nos bilans et faire le tri de ce qui nous permettra de commencer une année où nous ne reproduirons pas bêtement les erreurs commises par le passé. Au fond,
Cette fête du Nouvel An, comprise dans cette perspective, nous permet, au moins une fois par an, de prendre le temps d'analyser un peu notre vie. Bien entendu, nous serions bien inspirés de le faire chaque jour, mais au moins une fois par an, voilà qui n'est peut-être pas trop demandé. Et les critères qui nous sont proposés pour analyser, pour évaluer, pour faire le bilan, eh bien, consistent à repérer ce qui, d'un côté, crée et ce qui, de l'autre, détruit. Ce qui rend fécond, ce qui suscite la vie, et ce qui, de l'autre côté, stérilise, coupe. Ce qui fait histoire, ou ce qui risque de mettre un terme à l'histoire. Ce sont là les indices qui nous permettent d'apprécier notre existence au regard de l'espérance de Dieu. C'est un véritable devoir d'inventaire que le judaïsme a érigé en principe de jugement annuel, à vrai dire. Rosh Hashanah est aussi appelé jour du jugement. Un jour pendant lequel Dieu passe en revue les habitants de la terre et inscrit les justes sur le livre de vie et les méchants sur le livre de mort. Et c'est peut-être là que le bât blesse. Inscrire les justes sur le livre de vie et les méchants sur le livre de mort au terme d'une année peut rapidement devenir un jeu de massacre sans nuance. Et au fond, la peur de ne pas être inscrit sur le bon registre peut devenir la seule motivation qui nous pousse à agir dans telle ou telle direction. Et au fond, c'est la pédagogie de la peur. Et nous le savons, la peur est un ressort extrêmement puissant, redoutablement efficace, mais il fait agir pour de mauvaises raisons et le plus souvent pervertit notre manière d'agir, notre éthique. La peur. Est-ce qu'en 1911, on lance le scoutisme unioniste par peur de ce que penseront les parpaillots du XXIe siècle ? Je crois qu'en 1911, il se fichait bien de savoir ce que nous en penserions. Est-ce que l'on fonde le centre social La Clairière par peur de ce que les membres de l'oratoire penseront ou pourront penser des membres de l'oratoire d'un siècle plus tôt ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit la peur qui ait motivé nos illustres ancêtres. Et c'est pour éviter que la peur nous gouverne, je pense, que l'apôtre Paul rappelle quelle est la perspective divine. Il le fait à cet endroit d'une lettre écrite aux membres de l'église de Thessalonique qui s'inquiètent de voir mourir les fidèles les uns après les autres. C'est une des premières lettres de Paul, l'un des premiers écrits retenus dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans les années 50-55. Et certains s'inquiètent que le royaume n'est pas encore là, mais que la première génération de croyants est en train de disparaître. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème quelque part ? Est-ce que finalement toutes ces personnes que l'on estimait justes, peut-être même saintes, n'auraient pas finalement été inscrites sur le livre des morts ? Entre le son de la trompette de Dieu et l'exhortation à s'interpeller les uns les autres du verset 18, l'apôtre rassure ses lecteurs sur le fait qu'une année ne dit pas le tout d'une existence. Une année n'est qu'un fragment de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et de ce que nous projetons. Une année ne permet pas de dire l'intégralité d'une personne. Et par conséquent, s'il était possible de dire d'une année qu'elle a été bonne ou mauvaise, cela ne dirait pas grand-chose de nous, de ce que nous sommes encore capables d'éprouver et d'accomplir. Certains sont malades, certains meurent, certains ont une réussite professionnelle fulgurante, tandis que d'autres font banqueroute. Certains ont une vie sans accroc, d'autres doivent lutter jour après jour pour survivre ou faire survivre leur entreprise. Une même année peut être épouvantable pour certains,
et exceptionnellement merveilleuse pour d'autres. Une année ne dit rien de ce que nous sommes véritablement. Comme le rappelle Dieu, comme le rappelle Paul, c'est Dieu et Dieu seulement qui donne le signal. C'est lui qui rassemble en lui notre existence. C'est Dieu qui seul peut prendre la mesure de ce que nous sommes. Le jour de l'an, en forme de jour du jugement ou de bilan, n'est qu'une pédagogie. Une pédagogie que nous pouvons mettre en place pour nous aider à mieux nous orienter vers la vie voulue par Dieu, à nous corriger les uns les autres, à nous exhorter, à s'exhorter soi-même, en laissant retentir l'appel vibrant de Dieu à poursuivre sa création, à mettre au monde l'humanité plutôt que d'opter pour ce qui défigure le monde. Mais ce jugement, ce bilan n'est que partiel. Et au fond, le nouvel an n'a qu'un rapport limité et fragmentaire avec ce salut dont parle Paul. Le jugement que nous pourrions fêter éventuellement pour le nouvel an n'est qu'une façon que Dieu met en place pour nous aider à faire un peu le point. C'est une sorte d'étape sur un chemin de vie, pour faire le point comme le font les randonneurs qui, à un moment donné, s'arrêtent pour regarder le chemin accompli, voir où ils en sont, bien définir leur position et pouvoir réajuster leur direction. C'est une manière de dire, eh bien, voilà, pour le temps à venir, allons dans cette direction. Façon de dire qu'une nouvelle année peut être fêtée de façon tout à fait païenne. Et encore, il faudrait qu'on me dise en quoi le champagne, un concert, des vœux, l'angoisse ou l'incertitude peut être spécifiquement païen. Mais une nouvelle année, célébrer un nouvel an, peut être aussi l'occasion d'une attitude spirituelle qui réinvestit ce qui éventuellement peut être taxé de paganisme et qui, au lieu de laisser notre vie en friche, de la laisser en roue libre, de la laisser répéter, perpétuer inlassablement ce qui a toujours été fait mais qui n'est peut-être pas forcément très profitable, pose un point d'arrêt, un point d'observation et permet ensuite de réorienter la route. C'est l'occasion de fouiller le passé. C'est l'occasion de faire ce que ce mémorial de Rosh Hashanah invite à faire, un travail de mémoire. Labourer ce passé en tous sens, comme on laboure un champ pour profiter de tout ce dont il recèle, pour en tirer tous les bénéfices. Car il ne s'agit pas d'être prisonnier de son passé, de ne pas y toucher car il serait trop sacré pour pouvoir être observé, touché, analysé, mais au contraire, pouvoir en faire bon usage. Et certainement, opérer un droit d'inventaire sur 200 ans de protestantisme à l'oratoire peut être une bonne manière d'inventer un avenir qui peut-être sera même encore meilleur que ce qui a été vécu jusque-là. Amen.